Génial. Presque. Ça va? Ouais? Hey! On voit qu'il y a des habitués, on voit qu'il y a des nouveaux, on voit qu'il y a des jeunes, on voit qu'il y a des vintage. L'actrice qu'on va recevoir pour cette conférence s'adresse à tout le monde, que ce soit les plus jeunes, les plus anciens, et pas à tout le monde, puisque les séries et les films qu'elle a fait, vous les avez tous vus, que ce soit. Du coup, on a parlé tout à l'heure de Planète Terreur, on parle de Charme, on parle de plein de films. Donc on va l'accueillir pour une conférence de 40 minutes. Je vous demanderai un tonnerre d'applaudissements pour Madame Rose McGowan. Welcome, Rose. Thank you. Thank you very much. Bonjour. Oh. Je t'aime. Allez, on va commencer avec une première question. On lève la main. Tu veux poser une question? Non, tu veux pas poser une question. N'hésitez pas, premier rang. Allez, on fait quick pour les micros. On essaie de courir, de galoper un petit peu. Le monsieur avec la casquette de New York. C'est parti. Hello. Hi again. Lève-toi comme ça, tu verras mieux une chose. Voilà. En français, s'il vous plaît. En français. In French or in English? En français. Donc, premièrement... Parle bien près du micro. Ok. Donc, premièrement, je vais faire en anglais, en fait. Non, elle veut que je sois en français. Ah, ok. Premièrement, je voulais la remercier de nouveau du fait qu'elle soit venue nous voir en Europe, à Paris. Parce que je sais que c'est sa toute première convention en Europe, donc pour tous les fans, je veux dire que ce soit Charms ou Once Upon a Time, hein, toutes les choses dans lesquelles elle a participé, c'est vraiment un honneur de la voir enfin. Et je veux dire, moi je veux dire personnellement, Charms c'est une série qui a vraiment impacté ma vie jusqu'à encore 15 ans après, depuis la première fois que je l'ai vue. Et la voir en face de moi, c'est vraiment un honneur que je vais vraiment de tout mon cœur. Et donc du coup, après on va passer à ta question. Another question. Merci. Donc ta question. So, I have just two little questions. I wanted to know... T'écoutes pas ce que je dis, hein? I wanted to know before, first of all, 20 years later, after Chance begins, what's your feelings about the impact that led the show still 20 years later, and what are your feelings that you feel about the fact to be in the show? And the feelings, the memories you keep from the show. Yeah. So the memories I have from Charmed are beautiful. It was very hard work. We ended it 12 years ago. And I love everybody that loves it. It's an amazing thing to grow up with, to have. It feels like I raised children in the world through Charmed. Alors, la question, c'était effectivement 20 ans, ok? Donc la série a commencé il y a 20 ans, elle s'est finie il y a 12 ans, et le jeune homme voulait savoir l'impact qu'avait eu la série sur elle et sur sa vie, sur son développement personnel. Et donc Rose a répondu qu'effectivement donc, la série s'est arrêtée il y a 12 ans, et ça a été, elle a que des merveilleux moments à retenir sur la série, ça a été un travail très très dur, très compliqué, mais elle n'en retient que des bons souvenirs, et de voir qu'effectivement, donc 20 ans après, 12 ans après, il y a encore des gens comme ça qui puissent la voir à propos de cette série, c'est extraordinaire pour elle, et elle a l'impression en fait d'avoir élevé des enfants, c'est comme une grande famille pour elle, et c'est ça qu'elle retient, elle trouve ça vraiment extraordinaire. Next question, question suivante, ici, en bleu, au milieu. Merci. Bonjour. Bonjour Rose.
Merci d'être là également. Alors je vais écouter tes conseils et l'affaire en français. C'est pas mes conseils. C'est la Rose qui veut. Alors je vais t'écouter. Ce que Rose veut. Je voulais savoir avec quel acteur ou actrice ça a été le plus agréable de tourner. Et à contrario, avec quel acteur ou actrice ça a été le plus désagréable de tourner. Ou compliqué. Voilà, tu dois avoir des anecdotes à nous raconter à ce sujet-là. N'hésite pas, faut balancer quand, quand tes acteurs sont pas sympas, faut balancer. My favorite characters were always the demons. They were guest stars, but they were amazing. And you know, we were like a family. Sometimes we fought, sometimes we were close. It was like any family. My favorite, I'm closest to Holly now. Alors, elle a adoré jouer avec les démons parce qu'ils venaient en guest star. Donc, ils venaient, ils repartaient, ils n'étaient pas sur plusieurs saisons. Donc, elle a adoré. Après, c'était sur la série, c'était vraiment comme une famille. Donc, elle a vraiment apprécié tout le monde. Et là, actuellement, elle est encore très proche de Holly. Question Ah oui, tu as dit quoi Zeus. Moins bien passant. Ah. Question suivante. Là-bas. On passe sur l'autre allée. Alors, j'ai deux questions. Alors, ma première, parce que j'ai tourné dans le film Nowhere avec Shannon Doherty. Et je voulais savoir, quelques temps après, comment elle l'a remplacé sur le plateau de Champs. J'ai pas très bien compris ta question, excuse-moi. Elle a tourné sur le film Nowhere avec oui. De Shannon Doherty. Oui. Et quelques temps après, elle l'a remplacé sur le plateau de Champs. D'accord. Et donc, ta question, c'est quoi? Parce que ça, c'est pas une question, du coup. Ben, ton sentiment. Ah, d'accord. Si je pouvais pas mettre deux points d'interrogation là. My feeling about that was you take the job that you want. I didn't really realize what a big deal it was to replace a character on a show that everyone and they loved her. They loved Shannon. And I like Shannon very much. I respect her very much. I tried to make the show my own and try to make my own character to make a mark that was different. But I love Shannon. She's a great person. Alors, elle n'a pas vraiment de sentiment particulier sur le fait de l'avoir remplacée, d'avoir tourné avec elle et de l'avoir remplacée. Elle aime beaucoup Shannon. Elle a un profond respect pour elle. Mais sur la série, elle a essayé justement de se démarquer, de faire que son personnage ne soit pas juste un remplacement, mais de faire un vrai personnage à part entière et d'avoir une entité propre à son personnage. Et ta deuxième question? Par rapport au mouvement MeToo, son engagement, et puis elle a aussi des propos avec Alice Amiano, j'aimerais un peu comprendre pourquoi. On voit si la question est appropriée ou pas. C'est pas forcément le lieu pour parler de ce genre de choses. Me Too is a very important movement. It was started, the name came from an activist named Tarana Burke. And Alyssa kind of became involved in it too, which was kind of strange to me, but whatever. And I just wanted, for me personally, to change the world, to make it just a little bit better for all of us who've been hurt. Donc le mouvement MeToo a une importance capitale pour elle. Et alors par rapport à ce que tu voulais savoir sur Alyssa, effectivement, elle s'est aussi beaucoup engagée. Après, chacun pour ses raisons, voilà. Mais ce qu'elle veut vraiment, c'est pouvoir changer le monde pour tout le monde, pas que pour les femmes, mais pour tout le monde aussi. Et voilà, c'est pour ça qu'elle est aussi impliquée dans MeToo. Thank you very much.
Allez, on continue, on change de côté. On a un micro ici devant. Alors, c'était le monsieur, mais c'est pas grave, il posera la question après. Vas-y. Bonjour, bonjour. T'es déjà vu, toi. Alors, je voulais te demander, par rapport au remake, enfin au reboot de Charmed, comment tu voyais ce reboot? Est-ce que tu apprécies ce qu'ils ont fait comme travail? Ou est-ce que tu aurais fait les choses autrement? Est-ce que tu voudrais reprendre ton rôle? En fait, qu'est-ce qu'elle pense de ce reboot-là, quoi, au final? I don't want to be a part of it. I have never seen it, but I'm happy that young women have jobs if they're happy with it. I think that's great. Anybody working is a great thing. I think sometimes you can't capture magic again. Alors, elle n'a pas de sentiment particulier à propos du reboot. Elle l'a jamais vu et elle n'a pas envie de jouer dedans. Voilà, après, elle trouve que c'est un petit peu bizarre et que... Alors, elle est très contente que des femmes, des actrices puissent avoir un travail et qu'elles soient impliquées dedans. Mais, voilà, à contrario, elle trouve que c'est un petit peu bizarre et que on ne va pas forcément recapter la magie. Tu vois ce qu'elle veut dire? Que c'est pas la même chose, c'est évidemment pas la même chose. Merci. Une autre question, donc, du coup, à côté. Hi. Hi. Nice to meet you. Okay. Parle bien près du micro, sinon on t'entend pas. Sorry. Je voulais savoir si à chaque fin de tournage d'épisode, vous regardiez les épisodes montés avec les effets spéciaux et quel sentiment vous aviez après l'avoir vu. Est-ce que vous le voyez de la même façon que quand vous l'avez joué? Considering it was television and that we had to do it very quickly, the CGI was actually pretty good. But I didn't really watch the show because I did the show. I lived it already and we were working so hard. We would stop one episode at, you know, 1 p.m. and start the next one at 1:30. And so there wasn't really time to watch it. But when I did watch it, I was very proud of the work we did. Alors, elle tournait dans les épisodes et ça prenait pas mal de temps. Et elle n'avait pas forcément le temps de voir les épisodes finis. Par contre, elle trouve que les effets spéciaux étaient vraiment extraordinaires. Et voilà, comme je te disais, elle n'a pas vraiment regardé parce qu'elle était dedans, donc elle savait comment ça allait se passer. Et quand il lui arrivait de regarder quelques épisodes néanmoins, quand ça passait à la télé, elle trouvait qu'effectivement, les épisodes étaient super bien. On continue. Derrière, et après ce sera au milieu. Juste derrière. Non, regarde-moi, t'as vu? Là-bas, hein. Ok. Bonjour. Dans son livre Brave, elle parle de que Twitter est devenu vraiment le moyen de s'exprimer sans filtre, directement en public. Et j'aurais voulu savoir s'il y avait eu, après ça, en fait, un déclic vraiment pour qu'elle écrive le bouquin. Qu'est-ce qui l'a poussé vraiment à l'écrire, en fait, à partager tout ça? The thing that pushed me to write my book Brave, or Debout en français, was pain. I also wanted to help the world. It's not a self-help book, it's a help others book. And I just wanted to show people that they can be brave in their own life. Alors, ce qui l'a poussé à écrire son livre, c'est la souffrance, tout simplement. Il n'y a pas eu vraiment de déclic, c'est qu'elle s'est dit, voilà, c'est pas un livre auto-centré, c'est pas sur sa souffrance à elle, c'est vraiment pour partager et pour aider tout le monde. C'est pas que pour l'aider elle, elle a vraiment voulu aider tout le monde absolument. Et montrer que tout le monde pouvait être strong, très fort, et pouvait s'en sortir.
On sait où est sorti le... Which one? Right there. Ok, here. Bonjour. Moi, je voulais juste savoir, dans la série, quelle scène a été pour vous le plus dur à tourner, qui vous a pas permis de tourner cette scène-là pour une raison unique. The hardest scene I had to shoot was when I had to kiss a boy that I didn't know. And he had no name in the show. He was just a random guy at 6 a.m. that I had to make out with. And that was weird. And then I told him to stop making my character have to kiss random boys. The best thing was doing the stunts. I love doing stunt work. Alors, ce qu'elle aimait pas du tout, c'était embrasser les personnages masculins, parce que ça se passait à 6h du matin, et c'était des personnes, en fait, c'était des figurants, et il y avait personne de régulier, en fait, et elle aimait vraiment pas du tout ça, et elle a demandé, du coup, après, aux scénaristes et producteurs, d'arrêter de faire ça, et par contre, ce qu'elle a adoré, c'est les cascades. Elle adore les cascades, et c'était parfait pour elle. Juste une deuxième question sur son livre. Je voulais savoir quel passage a été le plus dur à écrire. Enfin, tous les passages sont durs à écrire, mais quel passage l'a plus touché dans le livre à écrire? Well, the hardest part I had to write in Brave was about the story that we all know now. That was the hardest thing to go through. And also writing about my relationship with my father was very difficult. I was very mad at him when I wrote the book. He's dead, but I didn't visit his grave for 3 years when I wrote it. But now, after the book is out, it helped me express all my feelings, and I feel very free. Le passage le plus difficile qu'elle a eu à écrire, ça a été sur l'histoire que tout le monde connaît, et également quand elle a dû écrire sur son père. Elle a été très 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 en colère après son père. Bon, il est décédé depuis, mais pendant qu'elle a écrit le livre, pendant 3 ans, elle n'est pas allée sur la tombe de son père. Maintenant, le livre, ça l'a aidé à se libérer, et maintenant elle est en paix. Bonjour Rose, j'ai une question, comme tu aimes les cascades, comment s'est passé ça de scream? Scream, that stunt was amazing. It was really me going up and down in the garage door. I did everything but get killed on my own. And it was amazing. I love using my body physically because it's very challenging, but I still get hurt all the time, so it's probably not the smartest thing to do. Alors, elle a adoré la cascade en scream avec la porte du garage qui se lève et tout. Comme elle dit, elle est très casse-cou. C'est pas forcément une chose super intelligente à faire à chaque fois. Elle s'est déjà fait mal, mais dans scream, elle était aux anges. Elle a adoré cette cascade. On continue. Devant. Voilà, lève-toi, monsieur en t-shirt orange, là. Voilà, c'est ça. Oh, t'avais pas besoin de bouger, tout va bien. On te voit bien. Bonjour Rose. Merci d'être venue déjà. Je voulais savoir si elle pouvait changer quelque chose dans sa carrière. I think I would have been if I could change anything in my career, I might have chosen a different career. But you can't look at history that way because every step changes. I wish that the bad thing had never happened to me because it really affected my career in an unfair way. But at the same time, that's what brought me to Charmed and brought so many people happiness. En fait,
elle voudrait pas vraiment forcément changer quelque chose. Si elle avait, par contre, elle aurait pu changer complètement de carrière et pas faire de cinéma ou de série télé. Elle aurait été dans le médico-légal, dans la médecine. Si elle devait vraiment changer quelque chose, c'est toutes les choses qui l'ont blessée, forcément. Mais après, elle regrette rien du tout. Faire Charmed, en fait, c'est ce qui l'a amenée là, c'est ce qui a fait d'elle la femme qu'elle est maintenant. Elle est tellement contente de voir qu'il y ait tout ce monde-là encore pour Charmed qu'elle n'aurait rien changé. Allez, on va contenter les gens qui sont tout au fond parce qu'il y en a qui ont des questions à poser. Et comment ça... On veut que... Non, tout au fond, regarde, le monsieur qui lève la main avec le manteau, avec le blouson, pardon. Voilà, qui filme en même temps, vas-y. Lève-toi, comme ça on voit bien. Voilà. Bonjour, je voulais savoir s'il y avait un épisode qui vous avait particulièrement touché quand vous l'aviez tourné dans Charmed. Ok. Oui, bon, on prononce comme on veut. We all cried in the final episode of Charmed. It was like saying goodbye to a family. It didn't really feel real. But I think the finale episode was very good and wrapped up the series very well. And it was hard, you know? It was really hard. You go from being with the same people for 5 years to never seeing them. So it's kind of a strange way to live when you get close to people and then you never see them again. But we'll always have the reruns. Alors, c'était évidemment ultra touchant. Tout le monde a pleuré sur le plateau. Elle trouve que le dernier épisode était super bien et qu'il clôturait très très bien la série. Mais ça a été un sentiment très bizarre de travailler avec des gens, d'être une famille pendant 5 ans et du jour au lendemain de ne plus les revoir du tout. Voilà. Mais encore une fois, elle a été tout le monde a été très touché sur le plateau et elle a vraiment adoré ce dernier épisode. Allez, on continue. On passe de l'autre côté, toujours au fond, la demoiselle qui lève la main. Vas-y, lève-toi, comme ça on te voit bien. Voilà. Bonjour Rose. Alors ma question, ça va être par rapport à ton engagement pour la cause des femmes et au courage que tu as eu. C'est-à-dire, quel conseil aujourd'hui tu pourrais donner aux jeunes femmes, et aux moins jeunes d'ailleurs, qui voudraient se lancer dans ce métier, dans le show business, avec le climat qui règne aujourd'hui? I would have for any young actor or actress or anyone going into the business, first I would say read my book to see if you really want to. Secondly, understand that you can be an artist and you don't deserve to be hurt for wanting to be an artist. You know, that we can practice our craft in safety. And from what I've heard on film sets, it's a lot better now. And I don't think the same abuse will happen, so I wish you so much luck with your career. Alors, premièrement, le conseil qu'elle donnerait à un jeune acteur ou une jeune actrice, pas forcément que les femmes, c'est de lire son livre pour voir si vraiment les petits jeunes veulent devenir acteurs. Et après, ce qu'elle conseillerait aussi, c'est pas vraiment un conseil, c'est plus une observation, c'est que maintenant, en fait, ça s'est beaucoup calmé. Et que le climat qui est sur les plateaux et tout, c'est beaucoup moins dur que ce qu'elle a pu vivre. Et surtout, il faut que les gens se rendent compte qu'ils n'ont pas besoin d'être blessés ou qu'on leur fasse mal pour qu'ils réussissent, tout simplement. On continue. Allez, encore des questions ici. Alors, moi, l'un des épisodes qui m'a le plus marqué, ça a été l'épisode 10 de la saison 4, quand Paige remonte le temps pour sauver ses parents et qu'elle ne peut pas. Et du coup, ma question, ce serait comment, pour les acteurs, est-ce qu'on joue une scène aussi forte émotionnellement? Et derrière, quel impact est-ce que ce genre de scène, voire ce genre de série, peut avoir sur l'acteur une fois qu'on a joué quelque chose comme ça?
It did have an impact on me. That was one of my favorite episodes, and I think it was called A Page from the Past. And I went back in time to try to save my parents from dying in a car accident, and I couldn't. And it was a really emotional scene, you know. I remember Leo, plays the white lighter, was with me in that scene, and it was intense, you know. What I took away from that was just solid acting, you know. I wore braces on my teeth so I would look 16, and it's just like slipping into a deeper part of the character. Alors, ça a été un de ses épisodes préférés également. Et c'était très intense en fait, effectivement, parce que remonter le temps pour avoir une scène comme ça et de ne pas réussir à sauver ses parents, ça a été très très dur. Mais après, elle était donc avec Léo, donc Brian Cross, et c'était superbement bien joué. Elle a vraiment adoré et elle a été vraiment très touchée par cet épisode. Merci. Alors, queer. Salut. Ma question, c'est... En fait, j'ai vu sur Twitter que Charmed, ça faisait partie des trois séries qui avaient duré le plus longtemps avec des leaders féminins. Et je voulais savoir ce que ça représentait pour elle. I feel incredibly proud to have been on one of the longest running TV shows with strong women in history. It's kind of an amazing achievement, you know, and that we were badass and we had power and we could change the world. And I think we should all try to be superheroes in the world. And I think we can all do it. And that's what I try to do. Hello. Elle est très 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 fière de faire partie de cette série qui est donc dans le top 3 des séries avec des caractères féminins majeurs, principaux. Voilà. Et c'est un grand accomplissement pour elle parce que ça montre que les femmes sont fortes, que les femmes ont du pouvoir et elle pense que en fait on devrait se servir de ça dans la vie de tous les jours. Voilà, que les femmes sont fortes et ont du pouvoir et elles doivent le montrer. On continue. Which one do you want to be? Tell me. Over here. Okay. Bonsoir, Rose. Alors, ma question serait, quels sont vos futurs projets, autant dans le professionnel que dans le personnel? I have a lot of plans professionally and personally. I have an album coming out probably in the spring. It's called Planet Nine, and I've been working on that for 4 years, also with the visuals that go with it. I'm thinking of writing another book, and I'm definitely directing another movie. Elle a un album qui va sortir au printemps 2020. Elle a aussi très envie de réécrire un autre livre et également très envie de réaliser un film. Next one. Oh. Right here. Bonjour. J'aimerais savoir ce que vous pensez du nouveau spin-off de Charmed qui est sorti. Oui, bah pareil. Well, the spin-off, like I said, you know, the spin-off of Charmed, if people like it, that's cool. I have nothing to do with it and frankly don't care. Elle l'a dit tout à l'heure, si les gens aiment le reboot, le spin-off, très bien pour elle, tant mieux pour eux. Mais elle en a pas grand chose à faire. Ouais. On continue. Bonjour.
Un des moments que j'ai adoré dans Charm, c'est quand tu as chanté Fever. Est-ce que tu serais d'accord pour nous faire un petit morceau pas posé ici. Bonjour, merci Rose d'être venue. Ma question c'était quel genre de film aimerais-tu réaliser ? The movies I like to direct. I directed a movie called Dawn, D-A-W-N. And you can see it on Vimeo if you Google my name plus Dawn, like the morning. And but the movies I like looking at are psychological, like the psychological gaslighting that we get in society. And I like thrillers. I like very intelligent thrillers. Alors, elle aimerait réaliser un film sociétal, en fait, un film sur les problèmes de société où il y a de la réflexion tant sur les personnages et aussi qui donne à réfléchir sur la société dans laquelle elle vit. Vous avez de la chance, on a un tout petit peu de temps supplémentaire additionnel. Where did you see it? Ah, here. Bonjour. Moi j'ai une question parce que Charm ça a été très important dans mon adolescence, ça m'a beaucoup aidé à me construire avec mes sœurs, en plus on était trois donc on s'identifiait beaucoup aux personnages. Et je voulais savoir vous dans votre enfance et adolescence, à quel personnage féminin vous vous étiez identifié ? The character that I wanted to be growing up was mostly Madonna. Because I thought she was fucking cool. I was also a homeless 13-year-old. I lived on the streets. And I read that Madonna was also homeless. And I was like, if she can make it, I can make it. Now, I don't have her bank account. That would be nice. But she was always very inspirational to me. As far as movies go, I didn't really watch many films growing up except for classic films. But I think, I would say Madonna because she's badass. Sa plus grande inspiration, c'était Madonna, parce que elle était super cool. Elle a dit fucking cool, mais je vais dire super cool. Et en fait, ça a été vraiment une grande inspiration parce que elle est partie de rien, elle a vécu dans la rue à 13 ans, et elle aussi, et elle s'est dit, si elle peut y arriver, moi aussi je peux y arriver. Alors certes, elle n'a pas son compte en banque, ça serait super cool aussi, mais vraiment, elle s'est beaucoup inspirée de Madonna. Vas-y. Ah, et après, et là. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des gens qui veulent être acteurs comme toi ? On a déjà posé cette question. Okay. Juste il y a quelques minutes en fait. Ok, j'étais pas là. C'est pas grave. Ah, il faut changer le micro ? Non, ça fonctionne pas. Si, c'est bon, vas-y. Bonjour Rose. Tu as fait un court-métrage qui s'appelle Dawn. J'aurais aimé savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de réaliser ce court-métrage et de réaliser en général des films. Ouais.
a movie and I do want to direct movies because I like creating an entire world rather than just being part of somebody else's imagination. It's personally more interesting to me and it's harder and you have to run a set. You have to think of every detail and what people can say with film is very profound, and I think a lot of times we don't take it seriously enough what we're putting into the public's head. And so I like to think about that very seriously, and also I'm really good at it. Alors, elle a voulu être réalisatrice parce que elle est très créative et elle adore l'idée en fait de créer un monde entier, un monde total en fait autour de son film. Et ce qu'elle a particulièrement apprécié aussi, c'est ce processus de création et aussi tout simplement parce qu'elle est très très bonne à ça en fait. Elle pense qu'elle est meilleure réalisatrice qu'actrice. Alors ça, c'est à vous de voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Qui pense qu'elle est meilleure actrice que réalisatrice? Who thinks she's better actress than Pao? Vous pensez tous qu'elle est meilleure réalisatrice ou meilleure actrice? Qui pense qu'elle est meilleure actrice? Qui pense qu'elle est meilleure réalisatrice? Donc il y en a qui ne pensent rien du tout. Most of them don't think anything. Les deux, ah ben les deux, voilà. Question suivante. Oh, allez, vas-y, pause. Volume. Bonjour, excuse-moi. Rose, donc de nouveau, je voulais te demander, parce que bon, c'est la seule occasion que moi j'ai pour te poser cette question-là. J'ai déjà posé cette question à Oli, à Shannon, et moi je voulais avoir personnellement ton avis par rapport à la question. 20 ans après, je sens toujours que le show Charmed manque quelque chose par rapport à l'histoire. Du fait que moi j'aurais aimé, et je pense comme beaucoup de fans, qu'on voit une réunion entre les quatre sœurs. J'avais demandé à Oli, à Shannon, qu'est-ce qu'il aurait fallu, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'il y ait une possibilité de suite à Charmed, que ce soit à la télé, etc. Oli m'avait répondu que les droits étaient par CBS. Mais ce que moi je ne comprends pas, c'est qu'il y a beaucoup de séries qui ont eu des impacts beaucoup moins que Charmed. Enfin, je prends l'exemple que Véronique Amart, par exemple, qui a eu le droit d'avoir une suite, ce que je ne comprends pas personnellement. Et Charmed, enfin, je veux dire, je vois tout le monde d'études de Holly qui est d'accord, Chan qui est d'accord, les fans qui sont d'accord. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait une suite, pour voir enfin toutes les quatre ensemble. Why I don't think there's a reboot with us or a reunion, the truth is that Hollywood is very scared of me. And I don't like them either, so that works out okay. Yeah, okay. So, une des raisons, elle pense sincèrement, de pourquoi il n'y a pas eu de suite et pourquoi il n'y a pas eu de réunion, c'est parce que Holly avait très peur d'elle. Ok. Surprenant. Allez, on fait une dernière question, la toute dernière, Tigrou. Ok, merci. Hello. Pourquoi que vous avez... Vas-y. Ah, d'accord. Pourquoi la question précédente? Pourquoi Oli, elle n'avait pas? Ah, pourquoi elle ne s'aimait pas? Well, because of my... I think Hollywood is scared of me because I'm the... one of the only people that's seriously gone up against their structure and their power system. And I don't believe that people, just because you're in movies or TV, should be allowed to abuse other people. And I think Hollywood operates as a secret society,
and I just thought these people are morons. I don't need to protect their secrecy. Alors, elle pense que Olivia avait peur d'elle parce que Rose en fait Hollywood. Ah, c'est ça la différence. Hollywood. Hollywood. Ok, donc c'est bien Hollywood qui empêche et pas Holly. Donc Hollywood en fait avait peur d'elle. Effectivement, ça prend beaucoup plus de sens maintenant, effectivement. Et parce que ça a été une des seules personnes à vraiment combattre le système. Elle pense que Hollywood, ça a été. C'est une société secrète où il y avait vraiment. Enfin, société secrète, c'est un grand mot, mais. Il y avait vraiment un pouvoir en place et des structures qui faisaient qu'on ne pouvait pas s'élever contre. Et elle, elle a eu le courage de le faire. Et c'est pour ça, du coup, qu'ils n'ont pas... Ils ont eu peur de reprendre son rôle. Voilà, on l'applaudit. Merci. On applaudit très très fort. Bonjour. Rose McGowan, s'il vous plaît.